Anything is possible. It started with a dream. Our passion made a difference and built a family. We've grown strong together. You know it's all because everybody plays a part in doing what we love. You can bet it doesn't matter where you go. You find a friend who does just what they love and lets it show. One card at a time can really change the way we live. Focused on the sharing and the chance we have to give. You can do most anything, so just do what you love. Live it, share it, you know it's what you're dreaming of. What we love, what we do, makes a difference in me and you. All these years of inspiration and love. Oh, how we live and what we say, it's snapping up and it's our way to love, live and share it. Bonjour tout le monde. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon dimanche soir. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour notre dernier live de cette série de 5 lives. Donc, bonsoir Patricia. Bonjour Patricia. Bonjour Josiane. Bonjour Cathy. Oui, Louison fait la sieste. Yes. Bonjour Sylviane, bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais me présenter pour celles qui ne me connaissent pas, mais je pense que toutes celles qui sont là me connaissent. Je m'appelle Céline, je suis démonstratrice Stamping Up en Savoie, donc Céline Is. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sous le nom des Petites Créations de Céline. Et vous avez mon site internet, bien sûr, lespetitescréationsdecéline.com. Bonjour Nicole, je pense que vous êtes nouvelle ou... Voilà. Faites-nous un petit coucou quand vous arrivez, que vous veniez de Facebook ou que vous veniez de YouTube. Alors, chez vous, je ne sais pas quel temps il fait, mais chez nous, c'est neige en altitude et pluie. Et pluie. Donc là, coucou Ghislaine, ça faisait longtemps. Donc, pour notre dernier... Oui, Patricia. Pour notre dernier live, donc le dernier live de la série « Jardin d'Éden », nous allons faire alors, cette petite carte. Voilà, la petite carte. Une petite carte qui va changer un petit peu. On va travailler avec les poinçons. Enfin, vous avez de la chance alors, si vous avez du soleil. Nous, c'est vraiment de la pluie, pluie, pluie. Donc, je vais retourner ma caméra et on va pouvoir commencer à bricoler ensemble. Alors, hop. Alors, est-ce que vous me voyez bien? Je vais peut-être éteindre ma lumière. Est-ce que vous voyez mieux sans la lumière? Ou est-ce que c'est un peu sombre quand même, hein? Alors, attendez, je vais faire quelques petits essais. Hop, je vais baisser. Hop. Non, c'est trop... Là, c'est trop vert. Alors, j'essaye de... Coucou Christelle. Donc, coucou de la Bretagne. Voilà, donc là j'espère que ça va être mieux. Voilà, je pense que là on n'est pas trop mal au niveau éclairage. Donc on va commencer par prendre, hop, je me mets droite, ici dans le Pas-de-Calais, soleil pour l'instant. Bah, vous avez de la chance, gardez bien votre soleil parce que nous, je vous promets qu'il fait vraiment pas très beau. Donc en bas, vous allez voir donc le poinçon que l'on utilise et qui sera disponible dès demain matin sur ma boutique Les Petites Créations de Céline, ainsi que les papiers et les tampons. Donc on va utiliser les encres soyeuses succulentes et épinettes enivrantes. Donc comme toute notre série de ces 5 lives. Et n'oubliez pas que mercredi, nous faisons le tirage au sort de tous les projets qui ont été faits depuis jeudi, donc de jeudi à aujourd'hui. Voilà. Donc, on va commencer. Alors là, c'est une dimension que je n'utilise pas souvent. Elle fait 13 par 13, mais voilà, je trouvais que ça changeait un petit peu. Alors...
Voilà. Donc, est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous avez envie de la faire? Oui, comme je disais. Ah, coucou Aline. Oui, la Normandie est grande, effectivement. Maintenant, avec comme il n'y a plus de haute ni de basse Normandie. Voilà. Donc, on va faire, et vous allez voir, c'est une carte qui est très, très simple à faire. Mais je trouve qu'elle a un joli rendu. Vous voyez, j'ai pas fait l'intérieur. Ensemble, on fera une petite déco intérieure. Donc, pour commencer, on va prendre une feuille en brune dune. Je trouve que c'est une base de vraiment de couleurs qui est vraiment très, très bien pour faire plein de projets. Donc, on va prendre un morceau de 13 sur 26. Alors, vous ferez attention si vous passez des petites commandes demain. J'ai changé mon code hôtesse. Alors, vous ferez bien attention d'être sur le bon code hôtesse. Normalement, tous les liens qui sont sur ma boutique internet sont changés. Voilà. Donc, on va faire dans les 26, on va faire un pli à 13. Voilà. Et ça nous donnera notre carte carrée. Moi aussi, j'aime bien. Je trouve que ça change. Ensuite, il va nous falloir deux morceaux de blanc de 12,5 sur 12,5. Donc on en fait deux. Comme ça, il est préparé déjà, hein. On est tranquille. Pendant qu'on est avec notre massicot, on va continuer les découpes. Comme ça, on ne reviendra pas. Ensuite, il vous faut deux morceaux de DSP, donc ces deux morceaux-là. Alors là, je vais mettre un morceau un peu plus foncé. Et là, il vous faut un morceau de 2,5. Donc, on fait 2,5 sur 12,5. Voilà. Et celui-là, est-ce que j'ai... Non, celui-là, je ne l'ai pas. Donc, ce morceau-là ira ici, le morceau brillant. Et donc, on va mettre... Non, je vais mettre celui-ci en arrière. Je trouve que ça fait... C'est un petit peu mieux. Et donc là, il faut un morceau de 12,5. Non, on n'a pas assez. Donc là, on va faire 12,5 sur 1,5. Oui, vous êtes toutes les deux aux extrémités de la Normandie. Donc c'est sûr que le temps est différent suivant où l'on se trouve en Normandie. Bonjour Simone. Bonjour Dominique. Bonjour Annie. En route pour Saint-Rémy, à demain. Ah oui, yes. À demain, sans problème. Comme ça, je vous rencontrerai en vrai. Ça, c'est génial quand même. Alors, hop. Donc, on a fait toutes nos petites découpes. On reviendra après pour faire la décoration. Donc, voilà. Alors, on va prendre une feuille de brouillon. Je n'ai pas préparé. Alors, sur notre feuille de brouillon, donc, hop, on va prendre un carré blanc. Et avant de prendre un carré blanc, on va prendre une petite... Oh non, la chute là n'est pas bonne. On va faire une découpe de ce grand die que l'on a dans les découpes. Alors, je prends une chute. Je pense que celle-ci sera bonne. Yes. Alors, je ne vous montre pas la machine de découpe, hein, vous la connaissez toutes. Ah, Estelle, allez, Estelle reste avec nous tout le temps du rip, du live. On ne va pas rester non plus. Allez, reste avec nous. Prends un petit peu de temps pour toi, Estelle. Ça fait du bien. Donc, vous voyez, on prend notre découpe. Voilà. Alors, j'évite aussi le milieu. Donc, on fait attention parce que cette découpe-là va nous servir tout à l'heure. Non, elle vient à Saint-Rémy à côté de la maison. Ah bah, bonne découpe de carottes alors. Donc, alors là, par contre, on va faire quelque chose. Donc, vous voyez, ce sont des découpes qui sont très, très détaillées. Donc là, on prend notre... Allez, il reste encore un peu. On prend notre outil touche-à-tout. Donc, il y a des petites choses comme ça qui sont essentielles dans le scrap. Le plioir, l'outil touche-à-tout, une bonne paire de ciseaux, la réglette,
Voilà, il y a des choses comme ça qu'il ne faut pas. Donc, vous voyez, hop, on vient passer notre petite roulette, notre petite brosse sur notre découpe pour que on voit apparaître les découpes. Vous voyez? Hop. Donc, voilà. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, là, on va avoir notre pochoir pour faire cette décoration-là. Donc, je vous conseille de la prendre dans ce sens-là. Donc, de bien la tenir. Alors, on va bien la tenir comme ça. On va prendre une brosse à estompe et on va prendre notre encre épinette enivrante. D'accord ? Donc là, on va faire un petit peu de patouille. Alors, j'enlève juste le petit bout là pour que ça puisse se faire correctement. Donc, on se positionne, on met notre... Donc là, ça va nous servir de pochoir aux trois quarts de notre feuille. On vient prendre de l'encre et on commence à tourner toujours. Vous tournez toujours sur votre feuille, sinon la trace que vous avez là, vous l'aurez sur votre projet. Donc, ce n'est pas le but de faire du... hein? Donc, on fait des belles choses. Donc, quand on fait des belles choses, on fait dans le bon sens. Et en faisant dans le bon sens, normalement, on arrive à quelque chose presque pas parfait, mais qui approche, on va dire, de l'excellence. D'accord? Oh là là. Donc, vous voyez, on se sert de notre pochoir. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, on enlève. Et regardez, on a fait notre base de cartes avec une découpe qui nous a servi de pochoir. Et vous voyez, on a notre jolie base de cartes. Donc, bien commencer toujours sur votre papier brouillon. Parce que sinon, vous aurez les tâches qui sont là, seront sur votre projet. D'accord? Alors, est-ce que vous saviez qu'il fallait utiliser... Dites-moi si vous le saviez. Donc, une fois qu'on a fait ça, ben, écoutez, vous allez voir que cette petite carte, finalement, elle est hyper simple à faire. Donc, vous allez me dire, j'ai toujours mon petit problème de colle et maintenant, j'ai ma petite Louison qui s'amuse avec mes colles aussi parce qu'elle adore. Donc, hop. Alors, est-ce que je vais avoir... Oui, la colle, c'est bon. Donc, on fait bien attention de coller donc l'ouverture de la carte comme ceci. On va coller là. Voilà. Donc après, on a déjà découpé nos... On va prendre nos deux papiers et donc on va laisser un petit peu de marge ici et on va venir coller notre premier papier en DSP comme cela et le second juste à côté. Donc, vous voyez, c'est vraiment très simple. J'ai essayé de vous montrer des cartes qui sont rapides à faire, mais qui ont quand même un joli rendu. Et quand même, c'est quand même un petit peu travaillé, donc c'est quand même vraiment très, très bien. Donc, on colle notre premier morceau. Et on vient coller notre deuxième. Voilà. Voyez ? Voilà. Donc là, on a fait ça. Maintenant, si vous avez vu, j'ai fait deux petits branchages. Donc, on va prendre notre set de tampons. On va prendre ce joli branchage. Et on va juste faire deux petits branchages avant de venir coller la... Donc, on peut venir voir. Hop. Et on peut le faire en deuxième génération. Si vous préférez, comme ça, ça sera beaucoup plus joli. Et voilà. Donc, vous voyez, là, j'ai fait mon tamponnage. Et maintenant, il faut que je garde ça. On prend une chute de blanc. Et on va venir tamponner cette grande fleur. Donc, hop. On va l'ancrer. Voilà. Et voilà.
Donc, on ferme bien Je vous conseille de le fermer au fur et à mesure parce que sinon, après, on a des petits problèmes, on s'en met partout. Donc là, il n'existe pas de dies pour découper cette fleur. Donc là, on va venir la détourer au ciseau. Alors, on la détourne grosso modo. Voyez. Mais on laisse quand même un petit peu de blanc autour. Sinon, ça ne sera pas joli. Vous laissez un ou deux millimètres, mais vraiment pas grand-chose. Alors, quand on découpe, c'est notre feuille qui tourne et pas les ciseaux, bien sûr, hein. Chose essentielle. Donc, hop, on tourne notre papier. C'est le papier qui tourne. Et là, vos découpes, normalement, seront quasiment réussies à chaque fois en tournant votre papier. Si vous tournez le ciseau, ça sera beaucoup moins joli. Donc, vous voyez, ma main ne tourne pas. C'est vraiment que le papier qui tourne. Alors, je suis désolée, je vous donne peut-être un petit peu le tournis. Mais vous voyez, hop là. Vraiment, oui, avoir du bon matériel, c'est vraiment essentiel pour bien scraper. Après, on l'achète petit à petit, mais c'est vrai qu'on se dit des fois, oh, allez, je vais aller chez un grand magasin qu'on connaît bien. On dit, je vais prendre ça pour le moment, mais au final, on a acheté ça et au final, vous reviendrez quand même à du matériel de qualité pour travailler. Comme les massicots, vous savez, on a plein de marques de massicots et au final, nos feuilles sont déchirées ou voilà. Donc, on revient toujours, toujours au même. Avoir du bon matériel, c'est essentiel. Donc, maintenant qu'on a fait ça, on va venir mettre notre feuillage. On va venir le coller sur notre base de cartes que l'on a fait. Alors, oui, je pense aussi que c'est les ciseaux. C'est pour ça qu'il faut vraiment avoir des bons ciseaux. Si vous n'avez pas les ciseaux Stamping Up, je vous conseille vivement de les acheter. Parce que c'est vraiment. Alors, vous allez me dire oui, bien sûr, parce que je vends le matériel. Non, ce n'est pas parce que forcément je vends le matériel. Mais honnêtement, ce sont des ciseaux qui coupent super bien. Alors après, évitez de couper tout et n'importe quoi. Gardez-les vraiment pour travailler le scrap. Et même pour les rubans, je vous conseille d'avoir une paire de ciseaux spécial ruban et de vraiment garder une paire de ciseaux juste pour les papiers. Voilà. Donc j'ai fait comme ça. J'avais fait des petites découpes or tout à l'heure. Donc là, on viendra les mettre comme ceci. Alors là, pour l'instant, je ne les ai pas. On va juste mettre une petite pointe de colle. Hop. Voilà. Donc là, comme ça. Et maintenant, on va faire cette petite étiquette. Donc, sachant que déjà, notre base d'étiquette, on l'a dans le set dans les dies. Donc là, on vient juste, hop, avec notre machine de découpe, on va faire la base de notre étiquette. Voilà, donc on enlève notre étiquette. Non, c'est petit à petit. Alors, hop. Donc, cette étiquette-là, on la mettra comme ceci. Elle viendra ici, elle sera posée en 3D. Et donc là, on va prendre un petit morceau de DSP. Donc, il nous faut un morceau de 1,3 cm. Oh, excusez-moi, j'ai bougé ma caméra. D'accord, Christine, pas de problème. Ça sera en replay. Il n'y a pas de souci. C'est pour ça que le replay existe. Donc, on prend notre perfo. Alors, ça, la perfo fanion, c'est pareil. Les fers au ciseau, c'est jamais droit. Là, avec la perfo, on vient mettre. Hop. Et donc, là, j'ai fait le petit fanion que d'un côté. Je viens la poser sur mon étiquette. Et je fais le fanion que d'un côté. Donc, là, hop, je viens couper. Et je mets ma petite colle. Bonjour, Sylvie. Voilà, hop,
Donc là, l'étiquette est presque terminée. Maintenant, on va faire cette petite étiquette-là. Alors, il faut que je vous redise les centimètres. Là, il faut 1,7 cm en blanc. Oui, c'est élégant, hein. Moi, je trouvais aussi que c'était vraiment une jolie carte qui était très élégante. Donc, 1,7. Pareil, on va faire notre étiquette. Donc là, on est sur la deuxième marche du podium. Oui, c'est raffiné et c'est rapide à faire. On est d'accord. Donc, on vient couper approximativement comme ceci. On va, hop, on pousse. Donc, regardez, notre fanion est déjà fait. Donc, je ne sais pas si vous en faites souvent, mais honnêtement, c'est super bien. Donc là, je vais peut-être essayer de mettre bien le bonjour. Eh bien, on va faire le fanion un peu plus grand pour pouvoir mettre bien le bonjour parce que j'ai envie de mettre ça. Donc, je vous ai dit 1,7 cm. Voilà. Hop. Alors, on met là. On va tamponner tout de suite bien le bonjour. Alors Estelle, oui j'utilise de plus... Ah oui, mais franchement, il n'y a pas longtemps que je l'ai et je regrette vraiment de ne pas l'avoir eu avant. Parce que c'est vrai que c'est quand même bien utile et ça finit bien. C'est des petites finitions qui sont très très bien faites. Hop, on met comme ça. Hop là, voilà, regardez, bien le bonjour. Donc, bien le bonjour, on va mettre de la colle que sur le bas parce qu'on va venir la faire se chevaucher sur notre petite étiquette. Et donc, ici, on va prendre un petit peu de ficelle dorée. Alors, je vous ai mis la ficelle dorée, elle est dans le gros catalogue. Donc là, on vient comme ceci. Alors, on en prend un petit bout hein, et on vient faire une jolie boucle. Il faut que je me remette pour voir vos commentaires. Hop. Donc ça, on le fait avant de le coller, bien sûr. Parce que sinon, après, ça sera compliqué. Donc, la ficelle or va très bien avec ce tampon. Donc, hop, hop. Voilà, hop, et voilà, alors bien sûr, j'ai pas mes ciseaux qui coupent merveilleusement bien, parce que je les ai laissés un peu traîner, et bien sûr, il n'y a pas eu que du papier, vous voyez, voilà, ce que je vous disais. Donc regardez, notre petite étiquette est faite. C'est simple quand même, hein. C'est simple et c'est très joli. Donc, ensuite, on va prendre deux dimensionnales de grande taille. On le met de chaque côté. Hop, et on va venir le mettre comme ceci. Voilà. Alors après, je ne sais pas si vous voyez, ici, il y a un petit peu de surbrillance. Alors, est-ce que vous voyez la surbrillance ? Ils vont arriver, Françoise, les ciseaux, parce qu'il y a eu beaucoup de monde qui les ont commandés. Donc là, pour faire la surbrillance, on va utiliser du Crystal Effect. Donc, Crystal Effect, oui. Donc le cristal, on va venir le mettre sur les endroits. Donc là, je vais faire les boules. Vous voyez, mon tamponnage a des petites boules. Donc là, je vais faire sur les petites boules. Et vous allez voir, ça va donner un effet de 3D. Et en plus, ça va faire du brillant. Hop, on peut mettre aussi, faire une grande feuille par exemple. Alors, on reste bien sur le tamponnage. Vous voyez ? Regardez. Voilà, alors le Crystal Effect, c'est vraiment... Alors, il faut bien laisser sécher. Mais une fois que c'est sec, vous allez voir, ça va donner du brillant à votre carte et ça va être très joli. Vous voyez ? Regardez. Alors, attendez, je vais mettre plus haut si vous voulez voir.
Est-ce qu'elle va se stabiliser la caméra? Ici, c'est brillant. Voyez, là, c'est plus brillant que là, alors que c'est notre tamponnage. Donc moi, j'ai mis du Crystal Effect et vous voyez, ici aussi, on a un peu de brillance. Donc maintenant, pour l'intérieur de notre carte, on avait pris un papier de 12,5 par 12,5. On va faire comme je fais d'habitude, on va faire un grand tamponnage. Vous n'avez pas envie de la gagner, cette carte, hein? Martine, j'attends pour t'envoyer ton lot du loto. Si des fois, tu avais la chance de gagner. Hop, vous voyez, je fais comme ça. Alors, c'est vraiment des petites finitions, mais là, j'ai craqué pour ça. J'adore. Et donc là, on va venir faire comme dans les précédents, un petit trait, on tourne. Hop, on descend, on ne fait que là. On reprend ici, on tourne et on s'arrête là. Regardez, on a habillé la carte de l'intérieur. C'est quand même joli, non? Donc ça viendra se coller à l'intérieur de notre carte. Merci Nathalie. Donc hop. Donc là, je viens la mettre à l'intérieur. Et notre carte est terminée. Voilà. Voyez, regardez. Bien le bonjour, ça donne envie, hein? Vous aimeriez bien recevoir cette carte. Donc voilà, les deux cartes terminées. Donc, on est presque arrivé à la fin du live. Mais maintenant, je voudrais vous montrer la finition. Comment faire cette petite boîte pour mettre les cartes. Donc, déjà, dans un premier temps, les boîtes sont vendues. Donc, je vous ai mis la page du catalogue 75 dans le petit catalogue juillet-décembre, le catalogue de Noël avec la référence. Donc, la boîte, on la reçoit comme ceci. Et donc, moi, j'ai décidé de mettre un petit peu de feuillage dessus. Alors, ça, on va l'utiliser tout à l'heure. Hop, donc, on ouvre notre pâte d'encre. Et là, je vais faire ces feuillages-là. Donc là, on va venir tamponner aléatoire, bien sûr, notre boîte. Voyez, donc on prend, hein, on tamponne vraiment aléatoire, hein, on tamponne partout. Après, si on veut ajouter un plus petit tamponnage, il n'y a pas de problème au milieu. Hop. Voilà. Donc, ça sera la boîte qui viendra accueillir deux des cartes que l'on a fait. Et bien sûr que je vous enverrai si vous êtes tiré au sort. Voilà. Donc là, on a fait notre tamponnage de la boîte. Hop. Et maintenant, on va la monter. Donc pour la monter, on va venir marquer tous les plis. Donc ça, c'est génial. Les boîtes Stamping Up sont géniales. Parce que voilà, c'est un montage hyper facile. Donc vous voyez, on marque bien tous les plis. Et aussi à l'intérieur, on peut soit offrir des cartes, soit on peut mettre des friandises pour Noël. Voilà, on peut vraiment tout mettre dedans. Hop, donc on marque bien tous les plis. On regardera ça à la fin, Martine, on va essayer de la remplir et je vais vous dire combien on peut mettre de cartes. Donc là, on commence par enlever les petits points de colle des deux petites oreilles du haut. Et donc là, on vient juste, vous voyez, coller comme ça. Voilà, le haut de notre boîte est fait. Ensuite, on va coller ici. On décolle les petits points de colle. Donc là, on décolle les quatre, hein, parce que là, il y en a quatre pour le bas. Alors, hop, on va bloquer parce qu'on a un petit coquin qui vient nous voir. Ah oui, on peut, bien sûr, Patricia, la carte chevalet d'hier, on peut la faire avec toutes les collections que l'on a. Et j'ai la carte tourbillon, il faut que je vous montre pour faire une carte d'anniversaire pour enfants ou même pour adultes. Et on peut faire une jolie carte aussi, je vous montrerai. Donc là, on fait le montage.
Donc, vous voyez, rien de compliqué. Vous allez me dire, j'ai toujours rien de compliqué. Mais non, regardez. Voilà, notre carte, notre boîte à cartes est faite. Vous voyez, pas de mesure, pas de prise de tête. La carte, est, la boîte est faite. Donc là, on vient récupérer le, la jolie découpe de tout à l'heure et on va venir la mettre sur la fenêtre, tout simplement. Donc là, on peut mettre de la colle ou des points de colle, comme vous voulez. Là, moi, je vais mettre des points de colle. Ça va être plus simple. Donc, on met bien sur les grosses fleurs, bien sûr. Bon, il faut que les points de colle veuillent bien se mettre. Vous montrerez les résultats de vos cartes. Donc, hop. Voilà. Donc, on met des points de colle un petit peu partout, sur les grosses feuilles, bien sûr, hein, pour pas qu'on voit les points de colle. Hop. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, on reprend notre boîte et on va coller sur... Alors, j'ai un point de colle qui s'amuse, là. Voilà. Regardez. En plus, avec les points de colle, on ne fera pas de traces de colle. Donc, voilà. Donc là, on a déjà fait... Vous voyez, on a déjà bien avancé. Et ça a été très simple à faire. Pour faire pareil, la petite étiquette là, on va prendre notre découpe. Mais cette fois, on va prendre du épinette enivrante. Un petit morceau de chute. Hop. On prendra ensuite... Oui, bonjour Geneviève. On prendra ensuite le... Donc, on va faire... Hop. On prend notre découpe que l'on a faite. Cette découpe-là viendra, regardez, se mettre sur la petite boîte, comme ceci. Alors là, j'avais mis un petit peu de ruban, de fil d'or. Alors, vous pouvez prendre un fil d'or, l'enrouler et le mettre derrière. J'ai le fil qui s'est un petit peu emmêlé. Voilà. Donc, hop. Alors, on le roule, hein, et... Alors là, j'ai un petit nœud, mais on va faire comme ça. Donc, si on veut le bloquer, pareil, on prend un petit goût d'hôte. Comme ça, ça sera bloqué. Voilà. Voilà, on va le mettre derrière. Hop, donc on regarde dans quel sens on veut le mettre. On peut en mettre un autre. Donc là, on fait un petit cercle, hein, avec le... Si on veut en faire un autre au milieu, hop, vous voyez, on en remet un. Voilà, vraiment, les glue dots, c'est vraiment ce qu'il y a le plus simple pour mettre les rubans. Voilà. Voilà, donc vous voyez là, hop, j'ai collé avec mon glue dots. Voilà. Donc ça, ça viendra se positionner ici. Donc là, moi, je vous conseille, pareil, de mettre des points de colle, des dimensionnales pour faire un petit peu de volume à votre travail. Donc là, on la colle là. Et donc ici, dessus, on va reprendre un petit morceau de papier en DSP, donc un papier n'importe lequel, hein. Donc là, c'est 1,3 cm. Et un autre morceau de 1,7 cm. Alors, 1,3 et 1,7. Et on va pouvoir donc reprendre pareil, là, notre perfo. Hop. Donc là, cette fois, on viendra faire les deux côtés. Donc là, on coupe approximativement. De toute façon, la machine va faire le reste.
Voilà, donc là, normalement, je suis bien. Donc, celle-ci va aller. Voilà. Et donc, on va faire une petite bande pour mettre au-dessus. Pas besoin d'une occasion pour fêter. Donc là, hop, je vais prendre mon tampon. Je vais le tamponner. Alors, vous voyez là, mon fanion, je ne l'ai pas bien mis au milieu. Donc, on peut recommencer. On se positionne correctement. Là, c'est mieux. Je vais éteindre la lumière. On va voir si vous voyez peut-être mieux sans la lumière. Hop. Est-ce que c'est mieux sans la lumière du dessus? Je pense que c'est vous voyez mieux, non? Voilà. Donc, hop, ici, on viendra mettre notre petite étiquette. Pareil, on met de la colle juste en dessous. Voilà. Et voilà. Donc, on peut... J'avais fait quelques petites découpes or. On peut aussi y ajouter une ou deux découpes or, si vous en avez... Ça brille encore là? Oh là 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 là. Voilà, c'est peut-être mieux là. Donc hop, on peut mettre la découpe comme ça. Et je suis arrivée. Je vais peut-être prendre celui-là. Est-ce que j'y arrive? Non, j'y arrive pas. Alors, je reprends une petite, hop, oui là c'est bon, j'ai changé, et donc, hop là, regardez, ça fait encore une autre, encore un autre modèle, là je vais rajouter, hop, clac, 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 voilà. Voilà, et donc on va pouvoir ajouter quelques petits strass comme j'ai fait ici. Alors les petits strass, on peut en mettre des plus larges sur nos grandes feuilles. Vous voyez. Et des plus petits sur les petits ronds. Regardez. Hop là. Voilà. C'est joli quand même, hein. Voilà, donc on va regarder, Martine, combien on met de... Donc là, vous voyez, normalement, le Crystal Effect est presque sec. Donc, vous voyez, c'est quand même sympathique. Donc là, donc ces cartes-là ne rentrent pas dans les boîtes, bien sûr. Donc ça, hop. Alors, on peut mettre... On va prendre ces cartes-là que nous avons fait ensemble. Donc là, déjà, il y a des cartes. Il y en a quatre. Et sachant que celle-ci... ont quand même un système pop-up à l'intérieur. Donc, vous voyez, là, il y en a 4 et ça ferme largement. Je pense que 4 comme ça, c'est très bien. Après, si on en a des toutes simples, je pense qu'on peut en mettre jusqu'à 5. Donc, voilà. Donc, bah, attendez, on va constituer les coffrets avec vous pendant que vous êtes là. Donc, on a dit une carte... Hop, une carte tourbillon dans chaque coffret et une carte pop-up. Et voilà, donc les petits coffrets sont faits et ils vous attendent pour mercredi soir. Voilà, donc hop, les petites cartes que l'on a fait aujourd'hui. Donc voilà les projets que l'on a fait. Alors, j'espère que ça vous a plu. J'ai un petit peu de bazar sur mon bureau. Vous m'en excuserez.
Donc, n'oubliez pas, à partir de demain, vous pourrez commander la collection Jardin d'Éden. Vraiment, elle est en exclusivité à partir de demain. Alors, les papiers sont jusqu'à épuisement des stocks. Donc, si vous aimez ce papier, un conseil, faites-en le plein le premier jour. Car c'est vrai qu'après, on aura les tampons et les dies, mais nous n'aurons plus les... Ah, bonjour Marion. Nous n'aurons plus les papiers. Donc, c'est vrai que c'est dommage si vous aimez bien cette collection. Voilà, faites-vous plaisir demain matin sur ma boutique, il n'y a pas de problème. Voilà, donc je vous embrasse, je vous dis à mercredi soir pour notre petite séance de tirage au sort des projets que l'on a fait ensemble pendant ces 5 jours de marathon, on va dire, on peut appeler ça marathon parce que c'est vrai que pour moi ça a été un petit peu la course tous les jours, mais bon, j'espère que ça vous a plu, que vous avez apprécié, bien sûr, d'être avec moi. Et puis, ben voilà, est-ce que vous avez des petites questions à me poser? Attendez, je passe là. Hop, je voulais juste changer ma caméra pour que vous me voyez. Voilà. Donc, bah écoutez, si vous n'avez pas de questions à me poser, je vais vous abandonner. Je vous suis là si vous avez des petites questions sur la collection Jardin d'Éden. Si demain, vous n'arrivez pas à passer la collection, voilà, vous me dites, il n'y a pas de problème. N'oubliez pas aussi, si vous passez une commande et que vous voulez être avec moi le 19 ou le 20 novembre pour le kit Bouquet d'Espoir, n'oubliez pas de le commander sur ma boutique et vous recevrez un lien pour une soirée en exclusivité aussi. Je vous embrasse et je vous dis à mercredi soir. Bye bye. It plays a part in doing what we love.